réaliser ce lampion, vous aurez besoin du matériel qu'on a mis dans le kit, c'est-à-dire le papier calque qu'on a déjà préparé avec un autocollant, le fond en carton sur lequel on posera le pot en verre, la bougie. Vous aurez besoin de 16 bâtons de glace. On a aussi mis dans le kit le fil de fer pour que vous puissiez le suspendre. Quand vous réalisez ce projet, utilisez des crayons de couleur ou des néocolores gras, mais pas les feutres. Sur le papier calque, ça ne marche pas. Vous aurez besoin de pincettes pour la fixation, de colle blanche, un ciseau si vous désirez couper la bande de fond et ne faire qu'un photophore. Si vous désirez faire un lampion, vous gardez le papier tel qu'il vous est proposé dans le set. Si vous préférez réaliser un photophore, il faudra couper la bande de 2 cm en bas de ce papier. Et cela donne ceci. On va commencer par coller les bâtons de bois ensemble pour former les cadres. 4 par 4, 2 dessus, 2 dessous. Ça se colle très bien avec la colle blanche, hein. C'est un petit point de colle sur chaque extrémité. Et bien sûr, il faut réaliser ça 4 fois pour avoir les 4 côtés de votre lampion. Si vous n'aimez pas le bois naturel, vous pouvez très bien décider de colorier vos bâtons de glace, hein. Pendant que ça sèche, vous allez pouvoir décorer ce lampion. Alors, ce qui marche très bien dessus, si vous en avez à la maison, ce sont ce qu'on appelle les craies grasses, les néocolores. Ça donne une intensité lumineuse très intéressante. Et puis, vous pouvez dessiner au crayon, ce que tout le monde a à la maison. Mais il faut absolument éviter d'utiliser les feutres, parce que sur ce papier calque, ça glisse et ça finit par faire des taches. Alors, imaginons maintenant que tout notre lampion est décoré et il va falloir commencer le montage. Vos cadres sont secs. Il faut placer la colle sur les montants qui seront en contact avec le papier. Et là, c'est le petit moment délicat. Ça glisse un petit peu quand on le place sur le papier. Pour les mettre les quatre, ça vaut la peine de travailler en alternance. Pour maintenir en place les pincettes, c'est d'un grand secours. Pour l'étape finale, pour le photophore, il suffira juste d'enlever le petit scotch de protection qu'il y a sur le double face et vous fermez le petit cube. Si c'est un photophore, c'est bon, vous avez terminé. Et comme là, on vous a montré la fabrication du lampion, il vous faut encore rabattre les petits papiers qui dépassent vers l'intérieur. Et vous retournez votre lampion. Vous mettez la colle sur le socle blanc de tous les côtés et vous prenez votre socle blanc, vous l'entrez par l'intérieur du lampion. Et quand c'est sec, on peut fixer la petite poignée. La petite poignée, vous avez vu, c'est un fil métallique. Si vous, il vous reste des perles, vous pouvez rajouter quelques perles, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Le fil métallique est légèrement pointu, donc vous passez à travers le papier sous le bâton de glace, au milieu. Vous rabattez, vous tortillez un petit coup. Et de l'autre côté, même travail, sauf que pour tortiller, faites juste attention de ne pas vous piquer. Et voilà le travail, vous avez votre lampion du 1er août.